Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une revue d'une commande effectuée sur Airsoft Entrepôt. Le carton semble fait sur mesure pour la commande et est soigneusement rescotché dans tous ses angles. Donc déjà c'est très propre rien que pour l'emballage général. À l'intérieur, nous retrouvons une petite lettre de la part d'Airsoft Entrepôt, nous remercions d'avoir acheté chez eux. Donc voilà, bon, concrètement pour cette revue, on va pas le présenter, on s'en fout, ça sert à rien. À l'intérieur, tous les articles sont emballés séparément dans du bulle pack. Et nous commençons donc avec un corps piston transparent, une dent métal ATM, et un corps piston vert, tout le rack métal pour les dents. Bon, à première vue, ça a l'air quand même assez propre. Ensuite, nous passons pour des têtes de cylindre de chez SHS. Ici, les V3, donc qui sont finition dorée, aluminium, double joint, le petit tampon à l'arrière. Propre et un V7 donc plus particulier, donc celui-ci. Ensuite nous passons avec un canon de précision SHS 603 247 mm pour un G36C. Et nous continuons avec trois têtes de piston SHS. Tête de piston rouge avec roulement donc pour leur sort. Et puis deux nozzles donc pour G36 de chez ATM, rouge en aluminium avec joint torique. Et un nozzle de ces SHS pour M14, donc ici vert en aluminium mais aussi un joint torique. Et pour finir, un switch de ces SHS, donc commandé rouge reçu bleu, c'est pour une gearbox de type V3. Bon, le carton Zoo ne nous intéresse pas spécialement pour la revue, voici donc la commande. Vous pourrez retrouver tous les articles de cette vidéo donc plus en détail dans d'autres vidéos de notre chaîne. Je vous invite donc à vous abonner, liker et à visionner nos autres vidéos.